Hey, salut à tous, salut Yuko, bienvenue dans ce let's play Iron Man. Et on commence avec notre premier kill sur la taupe. On aura malheureusement pas grand chose d'exceptionnel, mais toujours des petits radars, ça va faire des potions de défense. Et puis les petits morceaux de taupe qu'on peut échanger. Voilà, 4000 oiseaux. Les ouvrir. C'est des nids qui donnent des graines en plus normalement. Alors, graines de Limpourte, graines d'érable. Oh là là, c'est parfait ça. Parfait, parfait ça. Une petite graine de Limpourte, là du coup on commence à avoir quelques-unes. C'est plutôt cool. Les petits broyés de nid, ça nous servira plus tard en herboristerie. Je suis plutôt content du coup d'avoir réussi à kill la taupe, là, ça fait plaisir. Bon, c'est compliqué. Franchement, j'ai découvert que ce boss avait des mécaniques, parce que je l'avais, quand il est sorti, j'étais déjà assez haut level sur le main. Du coup, je l'ai jamais fait à bas level. Ça m'a un peu surpris. Je suis mort une fois dessus. Mais c'est faisable, c'est quand même pas non plus incroyable, quoi. Du coup, on va pouvoir se refaire ça, faire un peu plus de potions de défense. Il faudrait que j'arrive à me faire des potions de magie aussi pour monter un peu mon accuracy et mes dégâts. Ça peut être pas mal. Donc je vous retrouve plus tard, hein, on verra si j'arrive à le refarm comme ça ou si je farm autre chose. Je vais continuer ça demain de toute façon, parce qu'il est tard. On va voir ça. Pour que mes petites ripurtas soient un petit peu plus confortables, je me suis mis à monter pêche. Du coup, je viens de passer 40. Et je vais maintenant pouvoir pêcher des homards, ce qui va me permettre d'avoir une nourriture un peu plus intéressante pour quand je bosse. Et nous voilà du coup 50 en pêche, ce qui va nous permettre de pêcher des espadons. Mais pas m'intéresser pour l'instant. J'ai fait un petit stock d'homards et là du coup je vais aller faire mes petits défis quotidiens avant de cuire tout ça. On se prend un petit niveau en métallurgie là, 44 métallurgie, en faisant des petites barres d'or. Et nous voilà avec, hop là, également un niveau d'archerie. Alors du coup on s'est tapé à la cuisson de toute cette bouffe et nous voilà 50 en cuisine. Bon, c'est pas un niveau exceptionnel, ça apporte pas grand chose. Mais on a maintenant un petit stock de homards et de thon. Et une petite clou facile. Bon, casse pas trois pattes à un canard, hein, mais on prend. Hein. Yeah.
Alors, au vu de la lenteur de mes kills à la taupe, c'est quand même vachement lent. On va mettre ça en pause pour l'instant. On va monter un peu plus notre magie. On va essayer de se récupérer des petites armes T60 ou un truc comme ça. Ou alors au moins de monter défense 50 et d'avoir un full mystique pour prendre moins de dégâts aussi, peut-être, ça peut être une bonne idée. Et monter peut-être un peu herbo, essayer de trouver des compos pour faire des potions de magie. Faites une idée aussi. Donc en attendant, je vais me focaliser sur quelques skills AFK le temps de finir ma DXP sur mon main. Donc là, je vais partir sur un petit peu d'archéologie. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis passé 30 archéos. Fait ça en total AFK. Là, je fais le tour de mes petites DND hebdomadaires. Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Divination. Hop, 26 divi. J'aurais préféré une petite lampe de Hunter là. Voilà, donc là je vais continuer de faire archéo le temps qu'il me reste de la DXP sur mon main. Il me reste une dizaine d'heures. Je pense que je devrais atteindre les 110 slay sur mon main, ça va être vachement cool. Et sur ce compte-là, après, objectif principal, ça va être de reprendre les quêtes, monter à 100 points de quête là. À 150 pour avoir le l'armure de quête complète. Ce sera utile pour les quêtes de haut niveau, il y a des boss. Et j'ai un collègue Iron Man qui m'a conseillé de faire le mini-jeu de Tuska là où j'ai été chercher Dévotion et Courroux de Tuska pour débloquer l'armure. Parce que du coup, moi je croyais que c'était une armure de prêtre guerrier normale comme celle de God Wars 1, mais non, c'est une armure de prêtre guerrier DPS. Elle donne un bonus de critique quand on la complète. Du coup, on va aller se débloquer ça aussi. Et je pense qu'avec cette armure là, 50 défense, du coup l'armure sera tier 50, parce que du coup c'est une armure évolutive, comme celle des quêtes, qui évolue 25, 50, 75. Donc avec 50 défense, on devrait l'avoir en tier 50 en plus. Donc tier 50 hybride offensif, ça va être pas mal, je pense. Alors, par contre, je sais pas si j'ai fait assez d'XP pour refaire mes larmes de 8x depuis la dernière fois que je les ai faites, j'avais pas reset mon compteur. Ouais, il y a beaucoup d'XP de trappeurs là, ouais. Presque 50 gouttes, quoi. Dommage. 2200 points d'XP de trappeur. Hop, 7 niveaux. Pas mal ça. Trappeur qui est un skill que j'aime pas du tout. J'ai tout fait avec des polyvalents sur mon main, ce que je ne pourrais probablement pas faire sur mon iron du coup. À moins qu'il y ait des événements avec des récompenses complètement aberrantes. Est-ce que j'ai d'autres DND à faire? Je crois pas. C'est bon, du coup, 6 jours, 6 jours. Enfin, accès bloqué, il faut que je refasse, du coup, soit gagner un point de quête, soit gagner 100 000 points d'XP. Pour pouvoir refaire le mini-jeu la semaine d'après. Donc, forcément. Donc, dans 18 jours, on aura nos deux mensuels. Donc, d'ici là. Alors du coup, on a monté tranquillement archéologie en AFK pendant qu'on faisait du slay. On a de quoi compléter Zaros 1 au musée. Et bien évidemment également Zaros 1 à Varrok. Du coup, ça nous aura monté niveau 37 de compléter juste cette collection là. Voilà, c'est plutôt cool du coup. On a quelques doubles dans la collection Zaros 1, mais je suis pas sûr qu'ils servent dans d'autres collections. Je crois qu'il n'y a que celui-là qui sert dans plusieurs. On a
La figurine aussi. Alors le mannequin. Celui-là non, c'est dommage, celui-là j'en ai beaucoup. Ok, donc il n'y a que ceux du dernier spot qui servent dans plusieurs. Alors Soran. Hop, mission d'archéologie, Soran. Hop. Nous avons ici une petite relique très intéressante. On va aller donner au monolithe et qu'on va déjà activer. Pour le coup. 9K chronote. Hop. Et je vais canaliser ce pouvoir. Parce que du coup, ça nous permet de monter plus rapidement notre réputation auprès de la guilde des fermiers en agriculture. Je pense que c'est un pouvoir intéressant. Et du coup, on a quelques doubles. Mais c'est des doubles qui servent pas, du coup je vais voir si je peux en restaurer certains et les donner au musée. Ok, non, je peux pas les restaurer avec ce que j'ai actuellement. Je dois plus avoir beaucoup de matériaux. Et voilà. J'ai plus que les trois là. J'ai plus grand chose du reste. Ces insignes de Zaros, je pense qu'il me manque pour faire des restaurations supplémentaires. Mais voilà, c'était plutôt intéressant. Du coup, c'est tout, je pense, pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de ce Let's Play. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne.